Elle est jolie, là, elle est juteuse. Voilà nos cuisses. Après, on va inverser le suprême. On va allonger l'os du bateau. Serge Chenet, 60 ans, est meilleur ouvrier de France. Il est à la tête d'un établissement atypique à moins de 10 km d'Avignon et pourtant isolé en pleine garrigue gardoise. Et quand il n'est pas derrière les fourneaux de son restaurant étoilé, c'est dans sa cuisine qu'il prépare à manger pour toute sa famille. Une bonne volaille de braise quand même, hein, au beurre de persil, avec le froid qu'il fait dehors. Une volaille fermière rôtie au beurre de noix et persil, idéale en hiver, que le chef a choisi d'accompagner avec des légumes de saison, des pommes de terre grenaille et des carottes. Une recette toute simple, mais très symbolique. La volaille, c'est toujours un grand moment, c'est un souvenir d'enfance. J'ai mes grands-parents qui étaient paysans en Bretagne, et le poulet du dimanche, c'était des fêtes, c'était vraiment convivial. Donc là, la volaille, elle est vidée. Et avec la main mouillée, on va décoller la peau sur la poitrine de la volaille. Idem sur la cuisse. Voilà, on va la réserver comme ça. Cette volaille, Serge l'a achetée sous les Halles d'Avignon. Bonjour. Salut Serge. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ça va bien. En forme? Et chez Sophie, il choisit l'excellence, une volaille de Bresse. Magnifique, hein? Des belles cuisses, des beaux filets. Ah ben, un bon poulet, c'est important qu'il soit bien dodu, qu'il y ait des beaux filets. Plus quand on a des volailles de Bresse à hausser, là c'est vraiment elles le summum. Elles sont toutes belles, ouais. Ouais, ouais. Il n'y a pas bon. Mâle ou femelle. Ouais. Mâle, c'est un peu plus gras, un peu plus gros. Et la femelle, un peu plus tendre. Les filles sont toujours plus tendres que les hommes. Hein. Je ne sais pas. Ouais, non. Si, si, je conviens. Emballé, c'est pesé. Voilà pour vous, chef. Merci beaucoup. Bisous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. De retour en cuisine, préparez maintenant la farce. Mixez des noix, de l'ail, du persil et du beurre. Ben, c'est joie la dinette. Nous, c'est vrai, quand on fait des mises en place, on fait des quantités un peu plus conséquentes. On travaille pas trop pour une volaille, mais c'est marrant. À l'aide d'un sachet, farcissez la volaille sous la peau, au niveau des cuisses et des suprêmes. Voilà. Ce qui est important, c'est de remettre la peau du cou bien sur le dos. Et ensuite, on va pousser gentiment le beurre ben, dans tous les trous. Ça va apporter du moelleux, ça va apporter du gras, puis un petit goût de persil et de noix. Serge la fourre maintenant avec une gousse d'ail, du thym, de la sarriette, des herbes aromatiques qu'il va chercher dans son potager. C'est important, on a une cuisine, il faut que ça ait du goût, il faut que ça sente la Provence. Si on n'avait pas les herbes quand même, ça nous manquerait un peu. Bon, la ciboulette est un peu, a pris le gel, donc ça, elle repoussera au printemps, mais c'est toujours intéressant de venir chercher les herbes fraîches en plein service. C'est que du bonheur. Hein. Et par chance, dans le Gard, le climat est idéal pour les aromates, en toute saison. En moyenne, 2600 heures de soleil par an. C'est l'un des départements les plus cléments de France, même l'hiver. Allez maintenant, saler et poivrer et brider la volaille. Donc on va prendre tout l'arrière de la volaille, on va passer sous les pattes, on va serrer. Ensuite, on passe au-dessus des cuisses pour rejoindre le cou par l'arrière. On va bien la serrer. On fait un double nœud. On va y mettre un peu de thym, quelques oignons, un peu d'ail en chemise. On va saler le dessus. Voilà, c'est parti. Trois quarts d'heure, 180 degrés. Ensuite, en fin de cuisson, on baissera à 160 degrés. Pendant la cuisson, Serge en profite pour rejoindre les cuisines de son restaurant. L'établissement se trouve au-dessous de ses appartements. Dans cette bâtisse familiale qu'il a entièrement rénovée il y a 9 ans. Vous avez préparé la sauce persil, là, ça a été démarré ? Oui. À ses côtés, son fils Maxime, 31 ans, le seconde. C'est sympa parce qu'au moins ça me permet de travailler avec lui. C'est vrai que c'est un métier un peu difficile parce que, ben, en étant petit, je ne l'ai pas trop vu à la maison puisque c'est quand même prenant sur le temps de travail. Mais là, depuis, on s'est bien rattrapé. Là. Depuis... J'en ai pas profité petit, mais là, j'ai tous les jours. Voilà, tous les jours. Tu me ramènes une carotte, s'il te plaît, pour faire. Et clou de girofle, Jérémy, s'il te plaît. Il y avait un petit conflit de génération. Le père ne voulait pas laisser sa place, je pense. Et non, c'est moi qui ai fait un gros travail sur moi-même. Puis maintenant, on travaille ensemble et ça va très, très bien. On est complémentaires, on s'entend très bien. Et en plus de transmettre quand même son savoir à son fils, c'est la meilleure des choses. Hein. Car dans la famille Chenet, la cuisine se transmet de génération en génération. Serge tient cette passion de sa grand-mère et aujourd'hui, à son tour grand-père, il tient à éduquer les papilles de ses petits-enfants. Les petits-enfants, ils adorent les carottes jaunes, donc. Et puis, il faut faire plaisir. C'est... Et puis, il faut surtout qu'ils mangent. Hein. Bon, normalement, ils ne dépérissent pas. Hein. Ces carottes, c'est pour l'accompagnement. Après cuisson à l'eau, Serge les mélangera à des pommes de terre grenaille.
patate cultivée dans les terres sablonneuses du Roussillon, ramassée à l'automne, consommée tout l'hiver avec la peau. Petite couche d'ail en chemise, un petit brin de romarin, un petit brin de sarriette. Tout ça, ça va donner du goût à notre pomme de terre. On va les laisser mijoter tranquillement comme ça. Bon appétit, hein. Pour réaliser chez vous ce plat, comme Serge, il vous faut pour 4 personnes une volaille d'1,5 kg, 120 g de beurre, 2 gousses d'ail, 50 g de persil, 30 g de noix et quelques herbes aromatiques. Pour la cuisson, au four à 180 degrés pendant 45 minutes.